Salut tout le monde, c'est Dardarine, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc là on se retrouvait avec Will et son papa, les retrouvailles enfin, entre le père et le fils. Bon, voilà. Le truc c'est qu'il y en a un qui peut pas vraiment sentir la retrouvaille. Bah, on va voir si c'est s'il réagit au moins. C'est ça. It's done. Ah, après, c'est bien, on lui a ramené le cadavre de son père. Prepared myself. I thought I was ready, but to see him like that, forever gone. C'est sûr qu'on a aucun parchemin de raison. Oh là là, mon dieu, la réponse 3 elle est tellement ignoble. Blablabla. Blablabla. Bla, bla. En même temps, c'est oui, personne ne l'aime. Même les devs, ils lui ont fait une short story. Ah oh ben, bah, elle a deux, elle est pas mieux non plus. Hein. À la limite, la seule personne qui pouvait l'aimer, c'était son père, et bah, il est mort. Donc. C'est ce que tu voulais, hein. Oh, mais surtout, voilà, ça y est, ça lui donne encore. Hein. Effectivement, il dit des trucs quand il va se faire. J'ai warned him le jour où j'ai fini mon pacte. Il n'y a pas de sens. Bon voilà, c'est bon, alors tout va bien. Mais c'est qu'il y a de quoi parler avec lui, hein. Mais toujours, mais bon, en fait, ça va like devils. Ah, je passe. Moi, clever, j'en fais un, moi. Manipulative, exploitative. Bah, moi, c'est déjà les blablas qu'il dit. I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or... maybe he made an offer she couldn't refuse. C'est du genre à faire ça, ouais. It said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Un monstre hideux. A fiend. Touched by the hills. Un démon. C'est la tanière du démon. Fight ever harder. Be ever stronger. Till my deeds eclipse my appearance. The people will see a curiosity. J'allais dire qu'il ressemblait à rien, mais bon. Hungry for their souls, but I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. Ouais ouais, super. Oh, il est ambitieux. Allez, bisous, hein. Tu ramasseras ton père, hein, s'il te plaît, c'est dégueulasse. Ouais, s'il te plaît, hein. Ouais, faire traîner ses affaires par terre comme ça, bon. Range ouais, tes parents. Ça va dégueulasser le tapis, là. Est-ce que vous vous healez, les amis? Vous vous healez? Ouais. Bah moi, j'ai plus d'emplacement de sort, donc un short rest me ferait du bien. Moi, c'est pareil, j'ai plus de manœuvre. On peut. Qui le lance? Je lance. Tant qu'on fait pas un long repos, moi ça me va. 2... 1... Pourquoi tu veux pas qu'on lance un long repos? Parce que j'ai quasiment tous mes slots de magie, et en plus j'ai un élixir de vigilance. Oh, on est bon, hein, on peut retourner... Non, il y a un élixir, tu dire, il est beaucoup plus... Moi il m'a bien aidé l'élixir de vigilance, hein, parce que plus 5 à l'initiative, je te cache pas que ça fait plaisir. Ouais, allez, on se barre! Parce qu'il y a un monsieur tout nu là, en statue. Ouais, ça nous a coûté une petite bagatelle, c'te. Bon. 5000 pièces d'or? Ouais, puis ouais, t'imagines non, tout ce stuff. Pas 5000 pièces d'or. Bah, ça va, on en a que 33 000. C'était 3000. Mais non, mais. On a 3000 de trop pour cette merde. Je ne vous permets pas. En fait, on a beaucoup d'argent, c'est juste Mir qui veut tout dépenser dans une armure. Ah bah non, j'ai la technique de fourbe pour ne rien dépenser du tout. Il faudra juste, ça va demander de ta personne, mais...
feu ma personne. Non mais en tout bien tout honneur bien sûr, je ne te forcerai à faire des choses avilissantes. Mon pauvre perso, qu'est-ce que tu vas lui faire faire encore que... aujourd'hui. Quoi que... Attends regarde, j'ai un peu... Moi je fais pleurer un gosse. Les fringues, elles sont incroyables. Hein? Oh, regarde. Ah c'est pas celle-là, attends mais j'en ai... Oui ça peut peut-être marcher pour la persuasion. C'est celle-là, celles-ci elles sont incroyables. On te croit hein. C'est vrai que, ouais. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Ça pue. Bon, voilà, on a retrouvé des fringues. Allez, ciao. Oh, j'en fous. Oh, il y a un panneau. Citizens are advised to buy food in moderation so that... Ah, attends, sauf que là, je lui ai pas parlé. Ah, elle a l'air d'être super grande. Je repose la question, où est-ce qu'on va? Je pose une question. Pour moi, il faut aller à la taverne de la, du champ de l'elfe. Est-ce qu'on peut buter tout le monde dans la ville et faire un énorme beurre de robot? On peut. Bah là, il y a un Steve Watcher, on en a déjà tué plein, on peut continuer. Hein. Quoi, c'est vrai qu'on a pas mal de trucs à faire effectivement dans le secteur. Ah ouais. Chef Rovière, enquêtiste sur les meurtres. Le premier bâtiment qui est à côté, on a un truc à faire dedans, moi je propose d'y aller. Hein. Le tabernacle. Allez. De la côte des tempêtes de la plante des basiliques. Ah non. C'est elle. Merde, on a déjà été dedans. Ça vous dit que je déclenche une quête en plus. On a déjà fait, on est allé sous terre 10 fois et tout. Ok, ouais. Bah alors du coup, de quel bâtiment tu parles? Bah celui-là, là, la taverne d'après. Ah ok, celui dans lequel j'étais et vous m'avez dit non, on va pas là d'abord. Attends, il y a le nain qui parle à quelqu'un. Tout à l'heure, il parle à des PNJ random. Non, là, c'est pas un PNJ random. Rude. My god. Rude. C'est juste une opinion. C'est mon job d'avoir them. I meant no offense. Oh, à peu près. My name's Estrister, journalist. I speak to the people of Baldur's Gate so our readers don't have to. C'est une influenceuse en vrai. C'est ça. You are quite correct. The best broadsheet around. I would certainly recommend picking up a copy in the near future. You are, after all, star of the next Baldur's Mouth Gazette. Ooh, carrément. If I told you, you'd lose the fun of reading it yourself. It's our juiciest edition in an age, bound to get everyone talking about you. Darling, we can't let the readers decide what the content is. We've editors for that. Now, if you'll excuse me, I've really said rather too much and written rather too little. Good day. Elle a l'air très chiante. Elle, je l'aurais mis une baffe. Bah, surtout que là, je conseillerais quand avant qu'on aille se reposer, ça ne nécessitera pas spécialement de. Il faudra juste aller à la presse pour en savoir un peu plus sur le papier, justement. Mais c'est où le. C'est sur notre gauche, là, à l'heure actuelle. L'impression. Ah ouais, donc on va à gauche ou à droite? On va aller empêcher parce que la liberté de la presse, nous, on se couche dessus. Ah, on peut y aller, de toute façon, que ce soit ce bâtiment ou le bâtiment du nom, ça change pas grand-chose. Je m'y oppose. Ah bon, bon, on y va pas, alors. Et je m'y oppose avec mon poing dans la gueule. Mais non, mais à la Gazette, j'avais pas compris. Bien sûr, à la Gazette. Ah, c'est stylé. Attends, je peux aller en haut. Je l'arrive, je leur croyais. Il y a un de charge. Bah, j'ai essayé d'y aller, mais je peux pas. Attends, tu peux d'office sauter là-dessus. Attends, t'inquiète, j'y vais. T'inquiète, ils m'ont pas vu, je suis caché. Ah, le levier il est rouge, fais chier. C'est pas comme si tu pouvais te cacher. Ah bah, y'a un levier juste à côté de moi aussi. Oui, il y a là. Ouais, bon. Mais il est rouge pareil. En toute discrétion, bien sûr. Hein. Hop. Bon, alors, du coup, c'est à quel bouffon qu'ils font parler là pour faire. C'est un bouffon en bas, j'ai l'impression. Faut ce parler à lui. J'y vais. Non, il nous faut un mec avec du charisme. Ouais, c'est vrai. Du coup. Il faut quelqu'un d'intimidant. Quoi, l'aiguille? Bah alors, je suis intimidant, mais pas charismatique. Mais pourquoi impossible d'y aller? Mais oh. Laissez-moi sortir. Bon bah, il est charismatique, mais... Je sais pas marcher. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de trucs à voler ici.
You star in our next edition's top story. Oh, il a un vieil accent écossais. Il est scottish. Top story. Je dois d'abord en parler à mon commanditaire. Well, you should have considered that before disgracing yourself in public. Quoi? Not many Quoi? Enter our fine city and immediately start meddling in murder investigations. Curious, don't you think? The truth ah, mais c'est vraiment le... People will spit le papier de bas étage pourri, en fait, genre... Ouais, c'est genre, voici les gars-là, quoi. No offense, c'est les gens qui travaillent chez voici les gars-là. Then, we can only hope the fists do their duty and escort you to the gallows. Bon, on les bute tous. Your days of scumming up this good city streets will be over. Je suis pas fermé à l'idée, hein. Ouais, moi je dis ça. Un peu d'or pour non, mourir. Incroyable. Oh! Incroyable ça. I'm not afraid of you! Lord Gortash is a passionate champion of the journalistic arts. Attack me, and you face the Steel Watch. The headlines are loaded into the print works already. Tomorrow, you will feel the power of free speech. Vox Populi, Vox Dei. Now, guards! I believe our distinguished guest was just leaving. Would you care to escort them out? Ah bah, je crois pas, bah... Ah non, bah... du coup, hein. Désolé, bah non. Mais... Ah, on aurait peut-être dû fermer la porte avant. Ouais, the pen is mightier than the... No. Le mec qui se barre, il fume. La plume est plus forte que l'épée. C'est faux. Ah, mais il y a tout le monde qui est vénère, même dehors, là. Oh, l'enfer. Même dehors? Ah bah, dehors, il y a des gens qui ont peur et tout, genre. Il y a un mec qui s'appelle oui. Vraiment Falafel. Ah non, c'est Falael, pardon. Je m'a trompé. Ah, c'est à toi, Arda, de jouer. Ouais, je sais. Alors, attendez, est-ce qu'on tue que les gens qui nous attaquent? Ah oui, oui. Que ah, pourquoi tu veux raser le... On brûle non, tout. Non, mais genre, il y a un pignouf, là... Bah, tu sais, Willowbrook, ça sert à rien de le buter. Bah, il si faut, donc c'est pour faire attention. Si t'attaques, tu as le droit de le tuer. Alors... Mais c'est incroyable, ce spell. Voilà, c'est bon, on a résolu le problème de l'impression. Je crois pas, après, non. On va foutre le feu à la boutique et ce sera réglé. Ah, y'en a deux quand même, hein. Ils ont 300 PV, hein. C'est pas grave. Ah. C'est un peu plus grave. Allez, non. Allez. Incroyable, bravo. Ah, bah moi j'ai pas esquivé, hein. Ah ouais, bah tu vois. Clairement pas, là. Tu peux voler. Putain, je peux plus voler. Pourquoi il a... Je sais pas, il a voulu te... Là, c'était un équivalent T-Bag, hein. Bah ouais, j'ai vu ça, je... Alors ça aime pas quoi. Ah tiens, si, attends, je vais tester un truc. J'ai un sort de désintégration, je voulais ah bah, fais-toi plaisir. Mais ça marche que quand ils ont moins de XPV, non? Ça va pas le désintégrer, ça va peut-être lui faire jusqu'à 100 points de dégâts. C'est incroyable. Bah, c'est 10d6 plus 40 de force. Oh, j'ai que 12% de chance. Oh, c'est nul. J'ai 12% de chance de le toucher alors que je suis juste à côté de lui. Oui, mais parce que t'es au cac. Il faut que tu t'en ailles du cac pour... tu vois, t'es... Comment on appelle ça, là, en français, là, pas le mot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as la condition qui fait que t'as des avantages sur l'attaque à distance. Attends, je peux tenter de le push si tu veux, mais je le pusherai pas très loin. Quoi. Tente un truc, vas-y. Non, toujours au corps à corps. Toujours au corps à corps. Est-ce que j'ai... Je peux tenter un truc. Attends, je vais tenter. Attends, j'ai peut-être une petite réaction là, je me suis brumeuse, action bonus. Ouais, je pourrais pas faire ce que je voulais. Ok. Il est stun. Celui qui est à côté de moi, il est stun si jamais... J'étais en train de taper sur... Je vais faire une soulée brumeuse, mais ça a pas l'air... possibilité de déplacement insuffisante. Ah, ah non, j'allais faire un peu plus comme ça. Attends. Je vais tenter ça. Voilà. Désintégration.
Attends, y en a. Alors, est-ce que je tente de désintégrer un garde? Il y en a un qui a que 80 PV, ce sera peut-être plus intéressant. Ah ouais, je suis curieux de voir si tu peux le désintégrer. J'ai pas la possibilité de me déplacer pour le faire. Dang it. J'ai l'impression que oui, mais ça me fait que 30% de chance sur le. Ah, c'est cool. Je pense pas, moi, si ça passe, hein. Oh, ce serait bête de gâcher un sort de niveau 6 pour ça. Hein. Ah, si tu veux, après, je mettrais. Une boule de feu, ça a jamais fait de mal à personne. Hein. Vulnérabilité à la foudre. J'aime bien ça. Chaîne d'éclair, trop violent. Trop violent. Oh, ça passe. Est-ce que je peux placer un cliff sur le sol? Bah, sur les escaliers, parce qu'il y a deux gardes qui vont descendre. Donc c'est pas trop intéressant. Non, je pense que les gardes là, ils vont aller sur ma gueule. Possible aussi. À tout moment, ah, j'aurais pas dû quitter sur le levier. La cible est hors de vue. Mais du sol là. T'es où? Je peux pas avoir les deux en même temps. C'est nul. Bah, je vais faire en sorte de faire chier les deux troufions là qui sont près de moi. Mais après, je sais pas, j'étais juste la cible la plus proche d'eux et c'est pas pour ça qu'ils sont venus sur ma gueule pour me taper donc. Ouais, je pense qu'un mage ça va les attirer hein. Pourtant. Non, mais c'est parce que je me suis rapproché de Mimi comme un pleutre. La couleur pleutre? Exactement. C'est pas un truc pour dessiner un pleutre? Si, effectivement, ça fait des tréfins. Et tout à fait. Allez! Ah, ça je crois que ça explosait dès que tu le posais. Oh. Non, faut qu'il y ait un mec qui passe dessus. Waouh! C'est beau en plus. Oh, tu veux. Aura de terreur? Oh! Oula! Putain, ce sort j'avais jamais réussi à le lancer, ça a l'air d'être cool. Eh bah, je vais me prendre 4 à 40 points de dégâts psychiques par tour. Mais c'est de la concentration. Ah super! Je peux pas bouger, je peux pas. Oh, c'est génial! C'est qui te l'a envoyé? Ah, le connard en face de moi. Ah, je l'avais pas vu lui. Ouais, j'ai déjà un coucou! Eh bon, j'ai un nouveau! What? Oh, le jump qu'il a fait en deux! Mais calme-toi, Billy! Calme-toi! Ah, il est pas tombé. Ça lui a rien fait, je suis extrêmement déçu. En plus, il est innocent. Attends, le mec il a marché dedans et il a pas pris un seul point de dégâts? Il a pris 12 points de dégâts. Il a pris 12 quoi. Ah, c'est des. Oui. C'est pas fou. Ah, mais c'est cool, le Steve Watcher il bouge pas du coup, il est stun là. J'hésite. 45 PV, y'a pas moyen que je fasse un peu plus que. J'ai frappe calcinante qui peut faire au mieux 29. Ah mais je suis con. Pas bien. J'ai placé pas... pour ça. J'ai pas changé mes objets suite au genre de place. C'est mal ton truc là. Ah bah. Ah. Là tu vois. Ouais, histoire que là... Il a tapé son pote normalement. Ah, bah, ce qui est bien, c'est que là, je peux doublement pas bouger, c'est... Attends, mais je vais le taper. Vas-y, déconcentre-le déjà. Attendez, je change mon fusil de contrôle. Non mais ça va bien, oui. Il reste 16 PV, est-ce que si je le prends et que je le jette sur le garde, ça peut le tuer? Par contre, du coup, t'es plus même. Ouais, j'ai envie de voir ça. T'es plus même, mais t'es tout. Attends, comment je fais déjà Ah, mais ouais, non, je peux pas le jeter parce que, ouais, je suis... Oh, ça, c'est... Oh, c'est triste. Ouais. Bah, je peux pas le jeter sur le... Comment dire, sur le Steel Watcher parce que je suis immobilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu l'as fait bobo, là. Ouais, on saute pas sur les lampes avec un marteau. Ah putain, ouais, je suis obligé de taper lui. Ah
Ah oui. Il est en train de bugger dans la porte chez moi, c'est assez drôle. Il avait une clé, je l'ai ramassé si jamais. Alors désolé, je vais taper l'élémentaire aussi. Tu vas taper l'élémentaire ? Bah il y a des chances, ouais. Après, il a toujours un bébé, hein. C'est la vie. Ça va, 7 de dégâts. J'ai connu pire. Je peux faire que ça là. Ah, c'est Thunder, c'est pas Lightning. Putain, je peux rien faire de plus. Ouais, vu que je suis immobilisé, je peux pas... Ah là, j'en ai fait un petit tas de cendres. Non mais tu nous as pas dit, on n'a pas pu regarder. Oh bah le tas de cendres il a disparu, maintenant il y a le cadavre qui est revenu. Oh, ça c'est mal. Parce qu'il a la licence. J'ai rien vu. Ah yes. Je suis triste. Ah, j'étais con, le Steel Watcher, j'aurais pu lui mettre une vulnérabilité, ouais, au feu. Ah. Ah, j'avais une petite huile pour ça. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de prendre ça et qu'on en boive des trucs, j'ai pas de poison. Ah, mais il est immune poison, le Steel Watcher, à tous les coups. Bien sûr. Ouais, bah là, j'ai mis un truc qui permet de passer outre les résistances aux dégâts non magiques, donc... Bah, l'avantage, c'est que tant que lui fait des dommages de feu, je suis tranquille, mais... Ah, il y a une résistance hein, aux dégâts de feu. Bah j'ignore les résistances aux dégâts de feu. C'est le feat que j'ai pris au level 12. Ok. Bah comme c'est la moitié de mes dommages c'est des dommages de feu... C'est à toi de passer ton tour. Oh pardon. Oh désolé vraiment. Non, y'a pas de balle. Non mais j'ai tellement pas l'habitude que ce soit moi que vraiment j'étais pas du tout en mode qu'il faut que je passe mon tour hein. Ah, vous êtes bien à côté tous les deux là. Mais j'ai un. Putain, ouais, là. J'ai un Arda qui me protège, c'est bien. Oh putain, mais ah, pourquoi... dommage. Justement, non. Mais va mourir. Laisse-moi tranquille. Putain, les gars, quoi. Ah. Ouais, l'impression que t'es déjà dans le mal alors. Hein. Ouais, hein. Ouais. Ah, moi, celui de d'air, je trouve qu'il est encore plus stylé. Par lui, avec la tête de Sauron, il est cool. Nous fasse un, comment ça s'appelle, un petit défilé de mode quoi. Une fois que lui il est mort, on en veut un autre. Et nous, ouais, d'accord, ok. Ah, alors là, ils sont placés à moyen que. Ah, genre, je pense que je vais essayer un truc. Ah, mais non, je peux. Ah, c'était juste en retard. Ah, j'étais là, bah, il a rien fait, il a tapé dans le vide. Je me sens un petit peu menacé. Oh oui. Un petit peu. Oh, mais... J'ai très envie de lancer le boule de feu, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Un petit peu beaucoup menacé. Attends, ne bougez pas, hein, ne bougez pas. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je vais pas vous tirer dessus. Hein, Warda, si tu peux te barrer, c'est incroyable. Ah oui, bien sûr que je peux me barrer. Je pense que je peux me barrer aussi, tu sais, t'inquiète. Oui, non, mais c'est parce que... Fais ton truc, parce que moi j'ai tous les deux balancer une grosse fireball dans leur mouille, hein. Tu t'en vas pas, du coup, Katox. Balancez vos fireballs, comme ça je pourrais me TP au cac, moi. Bah j'attends juste que Katox parte et ensuite je balance. Salut les bolos, tchuss. Attends, faut pas le faire. Bon, je suis désolé pour le gobelin qui est à côté, mais malheureusement il est dans la boule de feu hein. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est à toi Arda. Ah, c'est clair que c'est pas la même hein. 76 de dommages. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tout ça? Qui sont ces gens? Est-ce que c'est parce que j'ai tué un mec? Je sais pas. Bah attends, je crois. Il faut la bagarre ou il faut pas la bagarre là? Bah je sais pas. Non, ils sont pas dans le combat donc. S'ils sont pas dans le combat, ils sont pas méchants. T'es sûr que tu pouvais pas esquiver le. Honnêtement, non. J'ai essayé et à aucun moment il était. Ah! Ah! Ah, ah bah écoutez, l'avantage c'est que j'avais personne à porter. Mais non, mais ils sont pas. Ah si, si, ils sont méchants hein. Ils sont temporairement hostiles. Ah bah si, si, ils sont rouges là. Non, moi je les vois jaunes. Ah, moi je les vois furieusement rouges, hein. Furieusement rouges, furieusement dans l'initiative et tout. J'ai l'impression qu'il y en a... Oh, attends. Ah ouais. Tiens, François. C'est vrai qu'il peut faire ça, c'est incroyable, ça. Ah, l'enfoiré. Je sais plus si la dernière fois, il avait réussi à la ramasser, son arme. Non, j'avais piqué.
Ouais, super. Comment t'as fait pour venir ici en étant mage? Je me suis TP. T'as un bout de gaz. Ouais, ça. J'ai fait une transmutation. Alors, est-ce que je peux toucher les deux sans toucher le nain? Oh, je pense. Quitte à ce que tu te déplaces un petit peu, mais. Non, peut-être même pas besoin. Attends, mais t'aurais peut-être pu même en toucher plus, hein, parce que t'as les deux autres qui sont juste à côté. Hein. J'ai pas une grosse portée. Je ne sais pas. Je te crois. Non, c'est vrai qu'il s'agirait de finir les. Mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a mis à terre avec un coup de poing. Ah ouais, t'as. Ton perso, il dit qu'il a besoin de soins, c'est qu'il se passe un truc, quoi. Ah, j'adore de faire bolos, quand même. C'est un plaisir. Ah, ouais, c'est bien, je suis tank, mais vraiment, là, je... Mais je suis pas censé prendre de dégâts quand je suis en forme gazeuse, vous pétez des... Bon, c'est pas juste, ça te réduit... Ouais, c'est ça, ça te fout une résistance à tout. Allez, mon petit monsieur, allez, tu vas retourner l'escalier. En bas des escaliers. Ça fume, ça, je vois. Du reste très incroyable. Eh, le mec s'est relevé, hein. Ouais. Je vais aller fermer la porte. Je crois qu'ils ont pas voulu. Well. Je crois pas qu'ils aient voulu, ouais. Ça se passe bien, cette histoire. Ouais, tout ça pour une putain d'impression. Quoi? En vrai, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait les bons choix dans le dialogue, hein. Ah, c'est sûr que attaquer les gardes, bon, ça laissait un peu... Bon. Comment ça? C'est... J'ai... Bon. Est-ce que ce serait pas le moment de quitter un couloir? Je pense que vu ton état, si, ça pourrait valoir le coup de te healer. Donc, ce qui va se passer d'abord? Il y aura de l'intérêt, quoi. Ah, merde. Ah, j'espère que vous êtes suffisamment proche, tout le monde, là, pour que je puisse vous mettre un petit soin, parce que... Bah non, mais en fait, je serais bienvenu à côté de toi, mais le problème, c'est que ça fait des dommages quand je... Non, mais toi, c'est bon, t'es suffisamment proche, mais je pense que celui qui est le plus loin de moi et que je pourrais pas forcément heal, c'est Katox. Alors après, c'est 4 PV, hein, donc... Enfin, max 4 PV. Ouais. Non, mais attends... Je trouvais que vous avez l'air d'être vachement plus en besoin que... ouais, mais je peux soigner tout le monde et moi-même de 4 PV. Pourquoi je peux pas? Attends, pourquoi je peux pas les 6 steps là? Non, c'est quoi le délire? Bah... Oui, il veut pas. On va bien comprendre pourquoi je peux pas les 6 steps là. Tu peux les 6 steps là? Pourquoi je peux pas les 6 steps pour que j'étais... Est-ce qu'on peut lancer un truc? Ouais. Trop. Alors, moi je suis par terre, quoi. Potion. Non, mais j'essaye de balancer une potion sur toi et moi. À mon avis, ça. Ça va être possible, hein. Mais si, il faut y croire. Ah, je rigole si tu soignes aussi le Steel Watcher. Bah, c'est un peu ce que j'essaye d'éviter. On va pas. Après, le Flaming Fist est déjà full vie, donc. D'accord. Comment ça? Eh bien super. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas très pourquoi. Efficace. Ah bah super. Bah bien joué. Bah, j'ai pas tout compris, mais bon. C'est... Bah, écoute, là, je crois que... Alors, qu'on soit clair, je t'ai pas heal toi, mais ça m'a heal moi en tout cas. Bah oui, mais j'aime beaucoup comment les mathématiques ont fonctionné là, parce que je crois qu'en distance, bon, le cochonnet il est quand même vachement plus proche de toi que... Tout à fait d'accord. Bon, écoute, c'est pas bien grave, ce qu'on va faire... Arrête, t'inquiète, hein, je peux me soigner juste après, si le fist avec l'arbalète me shoot pas la gueule, normalement, je survis. Normalement. Oui, c'est une supposition. J'aurais un sort que je pourrais balancer, mais... Non, mais j'ai essayé de venir te heal, je me suis dit, vas-y, une potion, ça va le faire, tu vois, pas un loup. Ah bah... Bon, cette fois, je resterai chez moi. Est-ce que j'ai une super... Ah ouais, j'ai une super popo. Alors, je pourrais balancer un méga sort là, mais plaisir. Vous, enfin, je connais un nain au sol qui va pas kiffer.
Alors, si c'est pour la science, moi je suis prêt à donner mon corps. Hein, pour la science. Attends, mais moi je peux me casser, hein. Attends, moi je peux me barrer. Non, non, toi c'était bon, je pouvais t'esquiver. Si c'est pour la magie, t'inquiète pas, du moment qu'il y a quelqu'un qui peut me relever après. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, il y a des gens qui vont crever, c'est moi qui voulais. Je pense qu'ils vont réussir à bouger à temps. Ouais, bah ouais, et que. Bah toi, normalement, tu peux bien le. Moi normalement je suis pas dans le sac, je crois pas. Ah t'as un bouton violet qui est dedans. Si t'es dedans. Problématique ça. Bon, ça va. Je vais survivre. Non mais. Déjà on va faire ça. Ah. C'est tout. Mais c'est vrai que c'était une supérieure là qui va jusque 120. Ouais. Ah c'est con. Bien, hein. Tu t'es bien fait voler là. L'archer du point enflammé, tu peux le clouer au sol. Est-ce que je peux faire ça moi? Ah bah non, j'ai utilisé mon action bonus. Oh c'est con ça. Ah, je peux faire ça? Quoi faire donc? Alors je tente un truc. Ah ouais, non, mais il va pas bouger. Tente le sombrero malgache. Incroyable! T'as réussi à pousser le Steel Watcher, hein. Ah bah ouais, il semblerait. Attends, je me mets là. Oh, les attaques contre le Steel Watcher ont avantage, c'est incroyable. Attends. Pendant ouais. Deux tours. Putain. Excusez-moi, j'essaie de me placer. Hop là. Oh, c'est décevant. Oh. Moi qui pensais avoir fait le move de fou en mettant l'autre en autodestruction. Ouais, t'es quoi, c'est délire. Qu'est-ce qui m'a fait? Alors, je pense que c'était un bug. Heureusement, ce que je me suis fait, ça fait un peu... Ça fait quel dessus. Quel dessus. Non, c'était la machine qui a sorti, les gars. Franchement, ça fait marrant à voir. T'avoue, un bug, mais si c'est pas un bug, c'est une mort, mais c'est quoi, quoi. Ça faisait trop dans les animés, ouais, tu c'était... sais. C'est pas... Alors, tu peux tirer vers moi si tu veux. Si t'as une AOE, c'est pas grave. Dans la vie, je crois. Au pire, c'est pas pour la tête. M'en fous, j'en ai eu deux. Il y en a un, il est mort. Eh bah, je suis pas mort. Tu t'es quand même pris des dégâts? Bah, j'en ai pris deux. Oh, il y a un Flaming Fist qui est devenu un tas de viscères, regardez. Attends, bon, le Myrmidon il est résistant au feu, je suppose. Oui. Ok. Ah, oula. Ah, ça c'était pas le bon move ça. Attendez. Attendez. Je. T'inquiète, tu peux t'en sortir, je crois. je peux pas bouger, du coup c'est compliqué, mais j'y crois à mort. Attends, je vais. Oh, t'as déjà esquivé des trucs comme ça. Hein. Ah bien sûr, non mais regarde, tu sais comment tu fais pour esquiver des trucs comme ça? Voilà. Bon. Tu fais ça, après tu t'en vas. C'est toi la vraie trappe. Tu stuns le mec et tu. Ah mais par contre moi je suis dans la haut là, je vais. Non tu vas pouvoir jouer avant qu'il explose. Ah oui. Après ils vont tous pouvoir jouer avant qu'il explose, c'est un peu dommage mais. Par contre le gars qui stun quoi. C'est vrai. Bah, je suis pas passé loin de la mort, moi. Il nous reste pas grand monde à buter, ça va, hein. Ah, il y a encore ceux dehors. Mais ils sont pas rentrés. Ouais, alors, sachant qu'ils sont rouges, à mon avis, pas ils vont encore rentrer. Je vais aller fermer la porte. Et. Peut-être soigne-toi sur le chemin. Oui, bah. Moi, j'ai une pomme, quand même. Arda, c'est à toi.
Ouais, je suis en train de... J'étais en train de faire du Kubi Bugan mais... Il est pas méchant lui hein. Ah, j'ai rien dit, j'avais pas vu là. Je croyais que t'allais taper sur le pauvre gars en bas là. Mais t'es en bas devant le pauvre gars Il est en train de passer la plus mauvaise journée de sa vie, à mon avis. Clairement. C'est cette porte là qu'il faudrait fermer aussi là. Non, moi je peux plus là-dedans. Ça peut se tenter. Attends, il joue quand? Ah oui, il joue juste avant toi, ça serait incroyable. Attends, de le jeter, tu veux que je le jette? Bah, je sais pas, j'en sais rien, c'est une question. Hein. Moi, je sais que je peux pas, donc... Mais je pense que je vais essayer de le taper. Fais gaffe, parce qu'il y a de la glace, hein. Allô, pourquoi je peux pas le taper? Ah non, c'est trop loin. Ah non. Bon bah je le tue. Oui. C'était pour le beau jeu, mais bon tant pis. Hein. Le beau jeu a fonctionné autrement. Et C'est quoi Arthur? Ah c'est fou. Voice of Command. Ah mais merde, parce que du coup comme ils sont pas rentrés. Ah ça va, le Steel Watcher qui est genre 3 mètres plus loin, il nous voit nous taper mais il a rien fait. Pourquoi j'ai monté les escaliers moi en mettant pas? C'est le moment que le Myrmidon se casse, je pense. Oh, bien joué. Well played. Et... Ah oh. C'est un seul quart d'heure. Oh. Oh, bah c'est bien, il a tué son pote. Ah, c'est devenu un tas de viscères aussi. Incroyable. Bon, alors attendez. On a fait quoi aujourd'hui? On est allé parler liberté de la presse et tout ça, c'était fun! Vas-y, vous ferme la porte et recule! Ah pardon, attends! Après, je sais pas si c'est une bonne idée de le taper, tabasser dehors, mais. Bah, je pense pas, mais. Bon, tant pis alors. Bon, je referme la porte. Ferme la porte! Vite! C'est bien parce qu'il y a Falafel là, il est perturbé! Moi je peux pas bouger là. D'accord, je crois que j'ai fermé la porte avec mes 7 PV. Je viens avec toi. Superbe, je vais donc me barrer au prochain tour. Ouverture, port. Bah, ouais, attaque d'opportunité, non, bonjour. Mais comment il est passé à travers nous? Bah, je sais pas, mais en tout cas, il a rien. Ouais, bon. Ferme la porte. C'est vrai que ça change tout. On sait jamais. Merde ta gueule toi. Ouais, tu passes un tellement mauvais moment. Bon. Ah bah c'est bon. Liberté de la presse. Quoi? On peut pas les looter? Mais c'est quoi le délire? Qui c'est qui m'a cassé les couilles? Keep your hands, dear. Ah mais c'est la meuf là! C'est Falael! Non, c'est Salahen Freig. Attends, vas-y, je vais parler à Salahen Freig pendant que vous le lootez. Tiens, tiens, attends... Hey, salut! Vas-y. Je suis tombé! D'accord, ok, très bien. C'est bon, vous avez pu la looter? Attends, non, j'essaie pas pour l'instant, j'essaie de le toucher un PV, je t'avoue. Oui, vas-y, attends, je vais essayer de jeter une potion à nos pieds, j'en ai moi. C'est
c'est plan tout. Bon, et du coup, quand est-ce qu'on empêche. Comment est-ce qu'on empêche la publication? C'est pas déjà fait là? Je pense pas, non? Quoi? Oh, on la bute, hein? Buter qui? Oh, tu fais chien! Quoi, tu t'écartes? Tu m'as cassé les couilles! Ta gueule, voilà, c'est bon, ça suffit! Hey, elle avait été incroyable! J'ai dit ni femme ni enfant! Non, mais c'est bon, les PNJ de merde là! Mais encore des gens à tuer? Bah, il fallait pas faire du journalisme quoi! Non, j'ai un combat avec des gens dehors, mais comment ils ont vu la porte était fermée? Je pense qu'il y a des gens qui font attaque. Bah, ils ont 7 PV. Ouais, ouais, mais dehors il y a des. On va finir. Ah, bah, on les attaque pas, on attend qu'ils arrivent et comme ça on peut. Bon, Falafel, t'avais quoi sur toi? Moi j'avais rien. Ah! Ils ont pas de PV. Non, passe ton tour, passez votre tour qu'ils viennent, les gens, qui rentrent en combat, enfin dans la marine. Mais moi je suis pas en combat. Oui, mais nous on est en combat. Ah, moi, je sais pas pourquoi. Moi je sais pas pourquoi j'étais en combat alors que j'ai rien fait. Bah, c'est parce que j'ai attaqué une civile. Ça explique un peu. Mon point, c'est plus. Je sais pas trop pourquoi ils nous attaquent, sachant que. Alors, moi, je me demande s'ils sont pas devenus hostiles parce que j'ai split une potion de soin dans mon sac. Hein? C'est bizarre. Ouais, bah, mais c'est ça, moi, j'étais juste split. J'ai voulu jeter la potion de soin à mes pieds, et c'est quand j'ai voulu faire jeter que ça m'a dit vous avez été pris en train de faire un vol. Bougez pas, je peux me les faire tous d'un seul coup. Ah, plaisir. Hein. Je voulais faire exactement ce que tu as fait un soir, mais moi ça me coûte du billet. Bon bah, je tue lui alors. Voilà, c'est bon. Bon bah, on est plus en combat. Ah, mais y'a plus de porte. Toute cette XP, mon dieu. Attends, t'inquiète. Ah, je peux pas les prendre, ils sont trop lourds. Pendant ce temps-là, Katox est allé tout looter. Ouais, et il nous a tout foutu dans les pattes comme ça, on était bien. Il a tout looté sauf la clé qui est genre sur la table. Bah, déjà 30 000 des clés, ça va. Par contre, reviens, parce que je voudrais acheter ma potion pour nous soigner tous les deux. Alors, à tous ceux qui veulent se faire soigner, venez, on va essayer de. Jamais, j'ai trouvé un levier pour aller au sous-sol. Par contre, le levier, y a quelqu'un de méchant au sous-sol. Ah, bah, ça tombe bien, ça fera une personne de plus à tuer. Jeter, ça a l'air de bugger, je vais la mettre par terre plutôt. C'est où? À l'endroit où je me trouve. Ah, mais pardon, non, mais avec tous les cadavres. Allez Katox, viens. Mais bon, enfin, c'est bon, peut-être que je suis petit, mais quand même. Non, non, mais parce que j'avais le comment ça s'appelle? Attends, ouais. Sachez que l'article machin, c'est le fameux Lord Gortash qui a voulu que... Tu viens, imposé dans le livre. Oui, mais ça, je m'en doutais que c'était Gortash qui voulait... Mais attends, Katox, viens, phrase. J'arrive. Donc tu disais que Katox, que c'était Gortash qui avait commandité l'article? Ouais. Il y a une lettre qui le dit. C'était téléphoné, certes. Oh, pour une fois que ça marche correctement. Correctement, j'ai pas été healé. Oui, mais bon, il faut pas nous casser les murs, genre. J'adore casser les murs. Vous avez pu looter tout le monde? Non. Non, c'est vrai, t'as pas cassé les murs. La dernière fois, t'aurais pu me dire ça et ça aurait été justifié. Là, j'ai juste fait un coup. Non, mais tu, effectivement, c'est... Il n'a pas encore trop cassé les bureaux. J'ai été pour l'instant raisonnable. Alors, inspecteur est trop fini, est-ce que Katox a tout looté? Il semblerait que oui, hein. Je peux pas. Quelle efficacité, Katox, pendant que nous on était en train de massacrer des innocents. Normalement on a la clé, tu sais. Ah, bah attendez, ici là où je suis, on peut descendre. Je sais pas si tu me diras. On est dans le basement, qui est la suite de la quête. Bah, je vais descendre. Une caisse du vendeur de journaux. Juste parce que j'ai pas envie de descendre par le même endroit que vous. Ah, mais c'est les Steel Watchers qui sont méchants. Oui, alors là, il y a deux possibilités. Soit on y va comme des sourds, soit on se prend pour la nuit. Soit on s'infiltre. Il y a deux Steel Watchers, on les défend pour la nuit, c'est que... Tu veux dire t'infiltrer alors que t'as un myrmidon de feu qui ressemble à Sauron qui est à côté de nous? Peut-être que si j'éteins la loupiote au bout de ma lance, ça pourrait être mieux. Là... Tu crois vraiment qu'on va pouvoir s'infiltrer derrière ces... Ah, si on a le bon timing, on peut. Oh, la flemme. C'est mort.
On les bute. Bon bah allez, let's go. Ouais, alors. On les bute. Attends, ah oui, je suis trompé de porte. Est-ce que j'enverrai pas genre le Myrmidon en premier en mode YOLO? Attends, on va surtout faire l'arnaque dites-tu. On va attendre qu'il fasse demi-tour et on va le taper de dos en surprise. Looks empty. On va tous s'y mettre, parce qu'il y en a plusieurs en plus. À l'attaque! Putain, j'ai cliqué. C'est si loin. Non! Non mais... Mais reviens! Oh, mais t'es tellement la nuit! il m'a pas vu! Ah mais arrête de bouger putain! Mais t'es tellement la night quoi, putain! Moi il m'a marché dessus! Mais oh non! Oh c'est pas! Mais non, oh, mais... Pas. Oh le... Putain, j'avais fait une infiltration mais... Au poil de cul! Putain, des dégâts de tout en fait! Donc, ouais, tiens, ah, vas-y, je vais essayer de le faire tomber sur la... Non! Bon bah... Voilà, c'était sympa. Ah quoi que je peux faire une petite ouais. Comment ça raté? Je suis pas censé pouvoir rater. Hein? Insurge-toi. Je m'insurge. Bien parce que là-bas tu le tapes, ça fait vraiment que tu tapes sur un bout de plastique quoi. Bah ouais, c'est exactement le même sens. Oh, bah, surtout que je lui fais 10, c'est, je me sens très utile. Oh, je lui ai fait un dégât le machin. Mais t'as, mais moi les réactions, non, c'est fini, j'ai plus le droit d'en faire. C'est un option, c'est un option. Ah ouais, super. Attends, je peux te faire. Juste le bien côté qui est stun, si tu veux. Ah bon, bah j'arrive. Non! Oh, c'est le bordel de combat! Ah putain, allez, vas-y, let's go, super. Ah t'es même. Eh bah ouais, donc attends, bah super. Qu'est-ce que je veux? Bah je vais faire du dégât là. Ah, j'ai pas une flèche. Ah si. Ah super. Allô? C'est moi, t'as mis en temps. Ah non, mais je sais pas. Ah, après coup. Waouh. Et t'as rebouillé. J'ai l'impression que les animations elles sont fraises ou... Ouais c'est pas fou c'est fou, la, là. C'est la production qui est un peu... Par contre, vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai plus d'attaque d'opportunité, moi. Oh, il est stun, il est dans la route. Putain, c'est incroyable. Oh non! Mon Myrmidon il est mutilé, il peut pas bouger! Ah putain, moi je peux pas bouger. Another step forward. Cassez-vous! Qu'est-ce que quoi? Bah il va exploser, il se peut que ça le fasse exploser celui-là, il a plus que 20 PV donc. Ouais! C'est bien! Ouais! Piou piou! Elle s'est fait la bagarre! Eh là là putain, Arda, ah t'es comme ça Arda. Ah ouais, ah, c'est beau le Z, bravo. Je sais pas tellement. Si je suis assez loin tu vois. Tu vas se faire sauter la cervelle, tu vas voir. Ah, t'as c'est quoi, dans le doute. Dans le doute. Est-ce que j'aurais pas un parchemin de fouille brumeuse? Allez, je tente. Je tente. Au pire, vous me balancerez une potion. Ah, mais super. Jamais lancé ça. Un jour, il faudra que je lance ça dans un combat, ça va être. Oh, ça l'a. Il a un PV, c'est incroyable. Bravo. Bah, t'as fait crash mon jeu. Sérieux? Katox il a essayé de me tuer là. Non. Katox en butant le gars il a fait crash mon jeu. J'ai ah, failli ça, en tuer un mais j'ai fait crasher l'autre. Parfait. Excellent. Tout va excellent, pour le mieux. Excellent Smithers. Oula. Comment ça début du téléchargement? Bah je crois pas non. Tu vois, des casiers à bouteille. Bah, je sais pas, écoute, mon Steam j'ai l'impression qu'il est un peu aux fraises là.
réinstaller Baldur's Gate demain. Non, pas là, pas là, pas là. Demain. Non, non, mais je comprends pas. Ah non, j'ai récupéré un truc dans ton sac à toi. Mais ok. Ah, oh, j'ai récupéré plein de petits sacs. Ah, c'est pas moi ça. C'est Katox, ça pour le coup. Quoi? Sachant qu'il a pas nié. C'est. J'ai pas écouté. Ouais. C'est arrangeant tout d'un coup. Ce qui est bien, c'est que t'es en train de péter une barricade, mais je suis déjà de l'autre côté, tu vois. Salut! Oui, ça mais c'était pour le principe! La dernière fois que j'ai fait ça, dans une prison, on m'a râlé dessus parce que je cite eux, ça va tuer des gardes, ça fait un combat. Alors bon. Alors comment te dire que les gardes ils ont déjà explosé, donc je pense que je peux casser. On sait jamais qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Allez, je prends le plus mignon des chats que vous ayez jamais vu. Le chat ? Le plus. Ouais, on peut même pas faire cramer, oh là là. Pour Cornetto. Embrace modernity. Ouais, du coup, il y a des trucs à faire ici Bah ouais, moi j'ai récupéré Qu'on soit clair, on est venu là, on a tué des gens, je sais pas pourquoi on est là. Hein. Parce qu'ils voulaient... Regarde, la quête Bah sachant que je suis pas dans la partie, je vois vachement, ouais. Y'a un marqueur, arrêter l'impression, enfin empêcher l'impression, ou je sais pas, stop the precise. Hop là. Tu supposes avoir un levier quelque part? Hein? Mais ça se fait pas à la cave en fait, ça se fait à l'étage. Non, ça se fait ici. Je vois pas de marqueur de quête, moi, ici. Il y en a juste au sud. Moi, je l'ai pas, mais... Ah si, là, t'as raison. Ah oui, non, c'est des leviers pour se barrer. Bah oui, 16% ça aussi. Attendez, je récupère les affiches de Gortash, ça vaut de la thune. Mais non, mais pas la bouteille. Non mais, oui. Non, mais bien sûr, pardon. Là, il y a une porte là qu'on a pas vu. C'est ça. Je l'ai, j'ai rien dit. Ah, nous avons trouvé un titre élogieux nous concernant que nous allons pouvoir charger dans la presse à imprimer. Il ne reste plus qu'à essayer de comprendre comment faire. C'est lequel, le titre? Tiens, c'est le mien. Bougeons pas. Je ne bouge pas. Ça c'est marrant, maintenant on est passé dans une zone rouge où on peut plus rien faire. Pourquoi est-ce dans faire. Une pièce toute rouge? Parce que c'est ma red room. Katox, viens à côté. Viens voir. Est-ce que vous voulez des poches nommées ou ça, vous avez suffisamment de sacs sur vous? Moi j'ai bien des poches. Comment trop. Ça va? Un ami. Tu t'es fait des dommages? Incroyable. J'en peux plus. Tu m'as fait du mal là, non? Je t'ai fait 6 de dommages, mais je t'ai heal de 12. Du coup, finalement, je t'ai heal de 6. Ouais, bah putain, bah merci, hein, ça c'est merci, hein. Ah bon copain! Il n'y a aucun problème, vraiment si t'as. Je voulais pas ramasser le bouquin, je voulais juste le lire. Est-ce qu'il faut de l'intelligence ou de la dex pour la presse typographique selon vous? T'as pas sur la machine! J'ai le manuel! Ah, sérieusement, je suis sûr, comme c'est le Drift Blast et on n'en parle plus. Oh, mais non, parce que maintenant la quête elle a changé, faut pas la détruire, il faut imprimer un truc élogieux. Ah ouais, on peut la casser! Lis ça. Alors, c'est manuel de presse imprimée automatique gondienne. Ok. Première étape, chargement de vos gros titres. Pour imprimer rien de plus facile, vous suffit d'ouvrir une trappe et de placer l'article de votre choix dans la machine. Une fois la presse imprimée automatique chargée, elle commence à produire des copies jusqu'à ce que l'encre soit épuisée ou la réserve de papier vide. Deuxième étape, bénéfice illimité. Vos articles exceptionnels sont prêts à être livrés à votre immense lectorat. Vous en aurez bien besoin avec la quantité de journaux que cette machine va imprimer. Ok. C'est génial, c'est con. Je préviens que entre les deux épisodes, faudra qu'on trouve un marchand pour que je vide toutes mes merdes. Okay, donc du coup, oui. Qui s'occupe de la presse imprimée? Katox, c'est celui qui blablate bien. Quoi? Mais je blablate pas qu'une machine, moi. Ah ah. Bon, je veux bien, mais. J'ai à moitié écouté. Ça se trouve, c'est comme les Steel Watchers, ils parlent. Hein. C'est ça, je vais regarder. C'est un Transformer, tu vas voir, ça va être le head boss. C'est moi, je lis des papiers. Ah, elle parle. Oi, Gormless, over here. Thought I recognized you. Dolly was right. You aren't much of a looker. En
Encore une créature ferrée libérée. I'm not trapped, you fool. This printing machine is just marvelous. We've nothing like it in the Feywild. This is my paintbrush. I make sure everything that's in those big, ugly article blocks becomes fine printed artistry. I'm a master pensman, I am. Dolly can't stop talking about you. Hero this, hero that, hero here, hero there. Hello, hero. You know, there's some absolute filth about you in tomorrow's edition. Seeing as you were kind enough to free Dolly, how's about I do you a favor? Oh, j'adore la voix. Why don't we change the headline? We can load up something a bit less damaging for your reputation. Well, first, I've got to release the old nasty top story. Whoop, there! Now, you've got to find a new article to replace it. J'ai mon article, mettons-nous au travail. How delightful! Et t'en avais un d'article sur toi? Je sais pas. Moi j'en ai un. Non, parce que moi j'en ai un, mais globalement, il y a marqué c'est pour foutre notre réputation en l'air, donc. Oui, alors il n'y a pas besoin, forcément. Vous pouvez me filer. Celui-là, non. Moi j'ai les chats les plus mignons que vous ayez jamais vus. En gros titre. Non. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais cliquer. Attends. Algedon, non, c'est pas grave, c'est moi qui insère l'objet. Ok. Titre de la fenêtre. Mais du coup, je mets quoi? Normalement, on a un article élogieux déjà. Bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai en tout cas. Bah moi, je l'ai pas non plus. Comment ça, t'as pas d'article élogieux? Tu disais que t'en avais un. J'ai la voix de Baldur, j'ai l'ancienne page du courrier des lecteurs de la voix de Baldur. Attends, je vais chercher. J'ai pas d'item. Moi, j'ai lu la quête et j'ai dit, en lisant la quête, nous avons trouvé un titre élogieux nous concernant. Que nous allons pouvoir charger dans la presse. Hein, ah, d'accord, vous en faites pas, je vais le trouver. D'accord. Laissons le nain faire. Ouais. Pendant voilà. Je suis sûr qu'il y a des trucs à piller dans le secteur. Faire plein de thunes en faisant du marchandage avec les aventuriers. Ah ouais. Bah, tu peux me forward le truc et je vais le mettre dans la machine. Et je l'envoie avec 4 tocs. Paf, c'est fait. Et insertion. Merde, je t'ai vidé le bon, moi. Ah oui, c'est bon. Tout s'était très inspiré aujourd'hui. Ah, c'est bien parce que ça a rechargé nos inspi où on était à 0, on est repassé à 3. L'inspi était pas mal, ouais. Il était relativement bas. Ouais, c'était pas comme si on avait essayé des jets de dés sur une portée qu'on avait pas réussi à l'ouvrir. Mais ça, les portes, les traversées de rivière, c'est toujours le. C'est toujours le moment fatidique de tous les groupes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ouf, hein, quand même. À chaque fois, c'est toujours là où ça part en sucette. Ah, bah tiens, il y avait un autre ici. Les aventuriers est notre meilleur espoir pour la cité. Ah, ça aurait été cool ça. Oui, bon, et là, se faire plein d'argent en faisant du marchandage avec les aventuriers, c'est bien aussi. L'édition bah, écoute, de demain n'endommagera pas notre réputation. Bon, bah c'est parfait, on a fini. Oui. Bah ouais. En tuant tout le monde, certes, mais on a fini. Ouais. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour cet épisode? On peut, oui, c'est vrai. Eh bien, merci à tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut. Ciao.